Bonjour Internet, bonjour tout le monde qui a suivi FC Champion. Nous en direct depuis le parc Saint-Thérèse à Pétionville, côté que nous prenons couvrir différentes catégories et non académies ça par rapport avec Joyo. Côté que yon année académique est presque bouclée, nous en mois de juillet, nous avons fermé en mois d'août, mais nous pouvons prendre impression chaque grand coach dans différentes catégories, comment l'année a commencé pour yon et qui évolution chaque grand joueur qui est dans l'équipe FC Champion. Non pas M. Gérard Junior Joseph, dans la caméra, c'est Avril Junior qui prend le ballon toute image. Voilà, là nous sommes dans la catégorie U5, U6. Et justement, Jean-Claude te dit dans l'intro, c'est dans le parc Saint-Thérèse de Pétionville et Académie Football Club FC Champion qui toujours mettait donc à disponibilité pour que les former jeunes joueurs ça yo, mais les prend depuis donc à bas âge. Et Jean-Claude nous dit nous dans catégorie U5 et U6, là c'est des séances qu'a fait, là c'est un petit qui peut shooter en pénalité et voilà, il prend gardien à contre-pied et entraîneur yo vraiment content et il a applaudi vraiment pénalité ça que il saute et shooter hein. Et le temps pour que nous et justement pour permettre que ou gagne plusieurs impressions de chaque moniteur yo, mais gens que nous avertirons nous dans catégorie U5 U6 et jusqu'à U8 et qui gagne garçon la dernière et fille exactement et nous pourrons permettre de gagner quelques réactions de entraîneur par rapport avec évolution jeune Timoun Sayo et qui choisit ou mes parents ont choisi pour que yo pratiquent sport et véritable sport là c'est football et qui ont metté yo dans Académie Football Club FC Champion. Et voilà, mesdames, messieurs, nous pourrons permettre de gagner une réaction. Et donc, moniteur principal là, et lui-même qui est toujours en mouvement chaque jour. Et nous faisons ici en là, samedi et dimanche, pendant et période vacances là. Mais dans l'année académique là, joueurs ou encore étudiants, alors c'est élèves qui sont dans la classe. Et quatrième année, ou bien il y en a classe également, troisième année kindergarten, et il y a tout qui peut quitter kindergarten pour que yo entre dans première, deuxième et troisième année. Là, coach, nous prenons vraiment côté que ou a parlé avec Timounio, ou a instruyo. Et footballistiquement parlant, après yon année académique, nous presque entré en vacances puisque nous fermé en août. Dis-nous comment évolution t'es, comment travail t'es. Mon cher, travail n'est pas aussi facile. Et ma en même temps représenté, c'est Jean-Boulon Sarrazin. Le travail n'est pas facile. Pas facile par rapport à Timounio. On est tout le monde par les mêmes gens, il y a les mêmes capacités. Il faut gagner temps, il faut gagner sang pour capable comprendre et soit faire Timounio. Et pas qui est aussi facile. C'est pas bon qui est aussi facile, mais c'est pour ça que parents yo voyo dans FC Champion pour que yo capable justement et gagner une idée sur football là pour que yo capable au moins comprendre jouer de football là. Mais nous dans catégorie U5, U6 et mais qui ça que nous montrer dans la catégorie ça? Et là dans catégorie ça, c'est question de balle au pied. Balle au pied qui s'allie, c'est apprendre tout faire réception et puis passe et puis conduite de balle. Parce que dans la catégorie, tu n'as pas gros bagaille, c'est de temps en temps. C'est pas là, c'est étape par étape. Lorsque tu fais ABC, c'est ABC lié. C'est réception, passe, et puis et, c'est ça. Alors, Timounio, il y a un effectif qui est environ une quarantaine, surtout dans la catégorie pour l'an. Comment nous gérer? Moi, dans ce sens-là, il faut qu'on sens positif ou ça en même temps propre pour capable gérer Timon parce qu'on est les Timon là chaque Timon a fait un bagage différent ou même moi même faut pas gagner trop d'émotion faut pas qu'on ait l'air caillouillé faut qu'on ait son bagage formé pour ça pour gagner pour prendre sang ou pour prendre temps que pour dire Timon non si saute là là retire qu'on là on doit faire ça mais ça pour faire qui puis bon on a dit sous pas gagner ça sous pas intempérance ou pas casser avec même monde tout mais quel thème gros quel thème petit ou pas intempérance pas casser avec monde. En termes de satisfaction, comment ça y est? Pour moi même bon pas maintenant bon si tout pour FC champion on pas que bon monde en tant que même c'est ton parent pour passer des stand up faire parce que nous gagne mon cap nous travaillons pour tout le monde. On va dire en perspective après catégorie ça et vers l'avant.
comme si nous pas là pour comme si pour travailler bas, nous travaillons pour travailler haut tout. Parce que je dis jeune là et pas celle là noyé. Nous gon des catégories là qui est allé déjà. Comme si nous t'étais gagné joueur là, nous t'étais pas Don Bosco, nous pas Violette, etc. Et pas Violette n'a fait. Violette a fait en deuxième division, nous gagne joueur là-dedans. Don Bosco a fait en première division, nous gagne joueur là-dedans. Ça va un travail nous faire, il est vraiment bon. C'est un travail qui est positif. Positif. Et nous gagne joueur qui gagne tout. Nous pas gagne joueur seulement Haïti, nous gagne joueur qui gagne. Nous gagne plus joueur qui gagne. Ça veut dire si nous t'avons fait rassemblage joueur, comme si bon paquet de bagages, nous même personne nous t'a bénéficié dans joueur ça. Là, nous dans catégorie 8 et 9 et toujours dans cadre formation et football club champion académie dans Pétionville. Côté que nous prenons impression coach Jean-Bart et sous et donc effectif ça pendant année. Donc comment que l'Iwe joueur, comment que évolution et comment joueur est venu. Après Junior toujours ensemble avec nous dans la caméra et moi-même Gérard Junior Joseph bah tout donné yo. Et Jean-Bart nous pral interroger pour que il capable parler un peu sous justement évolution et monsieur yo. Et c'est un match en cap jeu là, c'est équipe FC Champion dans catégorie U9 et qui a recevoir équipe Flamengo. Eh ben Junior, le temps pour que nous parler avec Jean-Bart. Jean-Bart, donc en pile et motivation et en pile fougue surtout avec donc jeune Sayo. Nous dans catégorie U9 côté que il a recevoir équipe Flamengo et pendant année justement dis-nous comment ça t'est. Bon, nous avons dit que c'est une année qui était très bien, et grâce à Dieu, parce que quand nous étions malades, nous n'étions pas malades, nous avons fait une belle séance pour l'année. Hein. Nous remercions beaucoup pour ça. Après ça, nous avons avancé. Junior est venu là, et c'est un que vous venez apprendre la discipline qui est le sport. Et dis-nous comment est l'évolution. Bon, l'évolution est très bien. Si nous apprenons, nous respectons ça, nous disons, ah, même on est parfois. Si vous venez sur des autres, mais c'est nous-mêmes comme coach qui pour parler avec eux, qui pour apprendre ça, vous venez faire. Ça veut dire que l'autre dit que vous satisfait quand même par rapport avec ça, que vous-même vous mettez comme données pour que vous appreniez assez bien. Et techniquement, dis-nous comment ça est. Bon, je suis satisfait parce que ça m'apprend, nous faisons une année à travailler avec eux. C'est un jeune résultat. J'aime comme dis-nous tout le temps, nous-mêmes. Je travaille avec Timon Pipitio, après ça, dans 10 ans, je vois le bois. Je suis grand petit Timon là, je vais te prendre le bois là. Ça me dit, je travaille la fête. Bon, on continue de travailler là toujours parce que moi-même, ça m'a fait. Et Timon, ça m'a aimé tout. Parce que c'est avec eux pour me travailler, pour me montrer au jeu là. Et puis c'est plaisir, tout. L'aime tout. Je travaille et puis je décide, ça m'a appris. Ça m'a utilisé, ça fait plaisir. Donc, effectif là, il est vraiment nombreux. Dis-nous, comment gérer tout ce monde? Bon, effectivement, rager, mais quand même, vous connaissez le coach Obiol, le coach Obiol qui travaille avec nous tout. Mais vous connaissez même nos pièces expérimentées, nous aidons, mais effectivement, très bien. Bon, vous connaissez. Vous connaissez les vacances et tout, on a bien plus de monde. Parce que ces vacances, l'école, là, on a bien tout ce monde. On travaille avec vous quand même. Coach Jean-Bart, dis-nous. Est-ce que tu as un message aujourd'hui pour parents qui ont des gens qui sont là, 8 ans, 9 ans, qui t'a voulu pratiquer sport? Qui sont-ce que tu as dit? Bon, on me dit parents, vous voyez que vous faites sport parce que sport est bon pour vous. Sport peut pêcher aux malades, football peut pêcher aux malades. Même si vous avez des possibilités, vous avez des gens dans l'âge de vous, vous avez des possibilités de jouer au football, vous avez des pour vous. Je suis pour jouer, mais je suis pour vous. Au moins même pas de possibilité ça, mais parents yo si vous avez des possibilités à kounya là, voyez dans sport, voyez dans football là, bah au plaisir bah ça aurait aimé parce que c'est ça aurait aimé, éducation avant et puis football là après. On se dit un mot là qui est vraiment intéressant, éducation d'abord et puis donc le sport. Dis nous est-ce que parents plein pour côté pauvre dit que donc il plus accentué sur football là que l'école là? Pas rien ça. Parce que l'école football là en soi, il nous exige des petits pour le travail. Après, il y a des petits mounions qui font moins 9, qui font moins 8. Ils viennent là, ils disent ça, et puis nous fêtons pour eux, nous avons un cadeau, tout ça. Vous voyez, ça veut dire l'école là est importante pour l'éducation. Ça veut dire que les petits mounions viennent là, ils travaillent normalement. Ils font moins 6, tout, ils font moins 6, moins 7. Ils disent, coach, tu fais moins 6, moins 7. Ils disent, ok, c'est bon, mais essayez de travailler pour ça, fait plus toujours. Vous voyez, parce que l'éducation, c'est l'équipe primée. Vous comprenez? C'est ça.
Coach Jamban, merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Nous sortis dans la catégorie U5, U6. Nous prenons la catégorie U8. Et nous entrons directement dans la catégorie U10. Et là, c'est coach Jorel qui justement qui a entraîné jeune Sayo. Jorel, y a un parcours qui était vraiment long pendant l'année. Nous souhaitons pour que nous prenions vacances, c'est pour aller en mois d'août. Dis-nous comment expérience santé avec jeune Sayo. Bon, avant de commencer, je remercie la presse pour go coquin chaîne apparition ça parce que la vie a demandé tout le monde là dans la situation qu'a fait là. Pour notre sujet principal là qui veut dire bon saison d'une manière positive, ça était assez difficile. Pour qui ça était trop difficile parce que l'on a un paquet de monde non mais on travaille qui veut dire chaque son un groupe différent qui sorti. Quel que soit à côté de Timon, il faut balle, une ambiance pour sentir à l'aise tout les rivières là. Parce que ici, à son l'école football. Qui Timon te gagne 10 ans, parce que j'aime qu'on a un. Il faut mettre la situation pour être capable de sentir l'arrivée de la Kaili pour dire ah bon, je travaille, papa, je travaille, maman. Parce que c'est difficile. Le poche là, ce qui connaît l'absorption. Les parents, ils ont la direction, et le manque fait. Ya, c'est moi-même qui vais rejoindre, je vais dire comment la situation est présentée, coach, mais tel joueur dit pas joué, comment il n'a pas participé dans rien. Laisse me prendre les soins pour tout le monde qui est satisfait, pour tout le monde qui est entré dans l'empate là, comme si l'arrivée de la Cali pour dire maman, il faut toujours capable de tourner parce que l'école là, je me sens me rejoindre un bagage là-dedans. Voilà, coach, dis-nous en termes de technique et compréhension tout bon côté et joueur comment ça y est pendant l'année? Bon au niveau technique parce qu'on connaît c'est de temps en temps bagarre a changé dans monde gain monde qui avec niveau positif là ou tout kembel non thème mais monde qui a moins thème dans technique là qui veut dire lui même l'a fait travail basé à pas nous gain Simon ça qui c'est 10 ans au gain qui pourra jouer là Simon ça on va commencer ouais talent qui côté au taché qui côté pas taché moi même qui ça pour me faire moi là pour me préparer montrer qui gens pour déterminer jouer là qui gens pour avancer avec domaine jouer là mais la seule chose inoubliable Sodia, c'est pas où le faire sur terrain, c'est pesa pour aller ou aller encore en aller mais gon façon pour pas dire ou pas dire dans tel comme si on est comme si qui a expérience jouer là parce que dans l'âge on met dans situation pour capable essayer comprendre lever tête garder côté pour faire passe là et ou mal placé retourner même pour marquer c'est comme ça bon, juste ou capable kembe à la laine pour capable joindre sort d'un besoin mais pour kounya là comment adaptation est bon adaptation est très positif parce que si on gagne au moins de 7 8 ans là ensemble on peut commencer gagne ça les animation positif là yo capable défendre tête yo c'est yo qui pourra jouer dans championnat là qui va gagne et cap fait dans mois cap entier là parce que à la joie on va jouer avec Poyo. Il n'y a pas de défendre tête parce que c'est comme ça lié moi-même, ça me capable de faire fait sur le terrain ensemble avec eux, même pour y aller rendre tête positif. C'est ça. Jusqu'à présent, vous satisfait? Je suis satisfait de travail là parce que de pour un mail, obligé de satisfaire de lui-même. Un message. Un message, je me fait passer comme si je me dit, alentour Pétionville, bon gros apparition qui a fait par moi ici parce que Timoun Sao, dans l'espace 4-5 ans encore, nous allons commencer à venir et les gens qui sont capables d'adapter les jouets là et dans la zone Pétionville là. Ça m'a demandé pour ne pas on pas décourager et toujours qu'il y ait une situation positive. Ça, bah, Olivier, très dur. En plus, bah, et football là parce que c'est des bagages qui marchent ensemble. Sport, éducation. Là, des fois, il y a une. Si mon nom est un flambeau jusqu'à ce qu'il vienne dans le top niveau de côté de l'Alia. Parc Saint-Thérèse, Pétionville. Et côté que nous avons supervisé toute catégorie, là nous prenons la catégorie U14. Donc, Jean-Wilson Polinis, dis-nous justement donc, comment année a été en dernière équipe FC Champion. Je dis bonsoir avec tout le monde qui a assisté avec l'interview. Donc, pour commencer, je dis année a commencé me des radios chaque monde comme si vini comme si à partir de un pourcentage des radios sur échelle de 100 ça veut dire que monde qui chaque temps en temps comme si cap évoluer qui était à 10% temps en temps a monté parce qu'on connaît comme si chaque monde pas apprendre même gens mais jusqu'à présent évolution li comme si me des radios à 50%.
50%. En fait, malgré la conjoncture au pays, insécurité, toujours une inquiétude de côté par ailleurs, mais yo fait donc staff et football club champion confiance, yo voyez donc Timonio vini entraîner avec l'école là. Dis-nous, comment était votre attitude, monsieur, yo, Léo vini là et jodi an, comment ça est? Et au commencement, Léo fait vini, sauf qu'on connaissait comme si avec stress, comme si stress pays tout ça. Mais là, Timonio sous terrain, comme si Timonio est pas nié. Ça veut dire que Timonio comme si retrouvé dans cette affaire. C'est comme si Mdekadou, c'est seulement. C'est donc aussi ce football là comme si liberté pour Timonio dans le moment. Comment adaptation en termes de technique et puis évolution sous terrain et travail en tout, comment ça est? Mdekadou a parlé de ça déjà. Donc, nous avons chaque monde comme si adapté en façon. Ça veut dire que chaque monde a une intelligence. Donc chaque petit monde comme si a pas apprendre, Ben c'est en fin de compte, n'a jeune comme si niveau qui n'a cherché à. Mais gen moun nan moment là qui a 20%, gen moun qui a 40%. Ça veut dire son équipe n'a fait, ça veut dire tout le monde n'a metto dans même niveau. C'est objectif là ça. Dans la catégorie ça, nous pas gagner yon l'autre option, nous pas gagner yon programme qui ça en perspective pendant année après le bouquet là. Pour année qui pourra le boucler, ça veut dire nous font année, nous avons entraîné, nous avons préparé. Nous connaissons chaque année que nous avons championnat vacances. C'est grand championnat, so, nous avons préparé. Dans le moment, nous ne pouvons pas dire plus, nous juste obtenir championnat pour nous prouver tout ça nous avons fait pendant l'année en entraînement. Mais selon vous-même, vous êtes satisfait quand même? Oui, je suis satisfait, mais satisfaction ne dépend pas de moi seulement, il dépend de toute l'équipe là. Ça veut dire tout ça nous avons fait pendant l'année pour nous battre dans le championnat parce que l'équipe là, nous sommes les champions. Ça veut dire qu'il faut nous champions pour nous boucler l'année avec beauté de tout travail nous faire. Message moi pour génération ça so. Ou bien pour tout le monde qui a dans le football yo. C'est comme si c'est rester quoi et travail. C'est ça l'objectif là et moi c'est notre travail tout le monde a privé.